raté aucune fête de l'UMA depuis que j'ai l'âge de 4 ans. Je venais avec mes parents, qui étaient militants communistes. J'ai toujours fait la fête de l'UMA, sauf le 2020, s'il n'y en a pas eu. J'ai jamais raté une fête de l'UMA et je ne me vois pas rater une fête de l'UMA. Même si je venais plus au montage pour une raison quelconque, je ne vois pas, je me vois pas passer au moins une journée sur les 3 jours à venir à la fête de l'UMA. Ça fait partie de mon planning annuel et de mes besoins. Mes besoins. Ouais. On vient là, on rencontre des gens, des potes qu'on connaît. D'ailleurs, les provinces qui montent, les anciens des Villois qui sont partis aussi, en province, qui remontent. Ce qui est super important aussi, je pense, c'est que bon, là, on a eu les conflits pour la retraite à 60 ans, contre la retraite à 64. On a eu le conflit, nanana. Après, il y a eu les vacances. Là, on revient en septembre. Ça rebooste le monde ouvrier, je pense. Et nous, on participe aussi à cette dynamique. On parlera politique. Mais même là, de ce chantier, on parle politique avec des gens d'à côté. Mais je veux dire, c'est une remotivation pour repartir dans l'élan social. Et politique, évidemment. Nous, la fête, c'est pas 3 jours, c'est un gros mois. C'est 6 semaines. Cinq semaines. Oui, parce que ça a reculé cette année. On était malheureux, parce qu'ils ont monté la charpente que de 18. Ouais. Nous, d'habitude, on commence le 16. Et fut un temps, au tout début, là, c'est une entreprise qui monte tout ça, tout le barnum, toi, là. Et fut un temps, au début, moi, à mes débuts, on les montait nous-mêmes, les charpentes. Tout à la main, fallait mettre les bâches, et tout ça, on faisait tout à la main. Puis au bout d'un moment, je ne sais pas pourquoi, qui a pris la décision de prendre une entreprise, quoi. Ouais. Nous soulage quand même une bonne partie du travail. Peut-être parce qu'on n'était plus assez jeunes pour le faire. Peut-être aussi, ouais, peut-être. Peut-être qu'il y a ça aussi, ouais. Moi, je m'appelle Jeanne Péchon, j'ai 27 ans, donc je suis adhérente au Mouvement Jeunes Communistes de France. Je suis à la coordination nationale, à l'organisation. J'ai adhéré il y a 10 ans à la Fête de l'Humanité. J'avais 17 ans, j'étais au lycée, voilà, mon père m'a emmené à l'UMA. J'ai été bénévole sur le stand d'Ille-et-Vilaine. Et du coup, j'ai rencontré les communistes en me baladant sur la Fête de l'UMA. Et j'ai pris ma carte au PCF et ensuite au MJCF. Parce que je voulais changer les choses et je trouvais que c'était important de le faire en s'engageant. Donc je fête ma 10e carte cette année. On essaye de bâtir une nouvelle société, c'est notre projet. Et dans le même temps, du coup, monter l'UMA, ça veut dire qu'en fait, on crée cette fête de A à Z. C'est créé par nous et c'est pas fait par quelqu'un d'autre, quoi. Et ça, c'est important, c'est un événement organisé par les communistes. Et du coup, ça fait 10 ans que je fais le montage, du coup, quasiment maintenant. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'important parce que tu montes ton stand de A à Z, tu rencontres plein de gens sur la fête qui font de même. Et c'est fait par toi et c'est un travail qui n'est pas juste sur une semaine, hein, c'est des mois et des mois de préparation. Et du coup, ça, quand la fête ouvre, ça donne tout son sens au travail qu'on a fait. Oui, on va éviter de ne pas faire toucher la voiture. Je suis Salomé, du coup je suis militante communiste depuis 2012 et ma première UMA, je pense, j'étais en première et c'était en 2013. Il descend là, il va toucher. Sous le capitalisme, on a un rapport ultra exploité au travail, ultra aliéné, on décide pas de ce qu'on produit, on décide pas de comment on le produit, on subit des ordres et des directives qui nous semblent souvent insensées. Et justement, à l'UMA, c'est un peu aussi tout l'inverse parce que on décide collectivement de comment on produit, comment on invente. Il y a moins de division du travail, il y a moins de division des tâches. Enfin, par exemple, l'année dernière, il y avait une étudiante en lettres qui était sur le marteau-piqueur sur le stand national de la JC. Je trouve que ça, c'est des trucs qui sont vachement importants. Et je pense que les camarades qui posent des jours pour participer à cette fête, c'est bien sûr parce qu'il y a un sens de responsabilité. On est là pour faire de la politique, on est là pour faire avancer aussi notre projet politique communiste. Et donc on s'engage de cette manière-là en posant des jours. Mais aussi l'idée que ces jours qu'on pose, c'est aussi des jours qu'on pose pour travailler différemment, pour être ensemble différemment, pour
se réunir pour célébrer notre projet politique collectif. Est-ce que tu peux te rappeler le scotch double? Là, on dépose le matériel pour les camarades de la JC, donc matériel militant, donc affiches, tracts, flyers et cartes, que ce soit pour la fête ou même pour après, pour le reste de l'année, pour militer. Decir que de todos mis amores tú fuiste la primera. También tuve que decir que de todas mis mujeres tú fuiste la embustera. Tú fuiste embustera. Tú fuiste traicionera. Tú fuiste embustera. Tú fuiste traicionera. Demain, il faudra rebouger le camion parce qu'ils ont un 10 tonnes qui va arriver. C'est un camion frigo qui va rester tout le week-end chez eux. Et après, il n'y aura plus rien qui bougera. À partir de demain, 10h30, il n'y aura plus rien qui bougera. Donc on... Je suis la coprésidente du comité des amis du mouvement des Sans Terre du Brésil. Et voilà, moi je suis communiste depuis 1969. On contribue avec notre sueur, notre temps et notre énergie à faire tout ça. Donc voilà, c'est une fierté et puis c'est une ambiance particulière. C'est-à-dire être là les jours avant l'ouverture au public. Déjà on est entre nous, c'est très fraternel. Et puis on voit la fête se monter, c'est extrêmement impressionnant quand même. C'est aussi une expérience de formation parce que d'abord ça nous forme à l'organisation, ça nous forme à la logistique, tout ce qui est le travail de régie, et puis ça nous forme à gérer les conflits qui nécessairement sont gérés dans ces moments où chacun a des problèmes, donc des fois il pousse un peu les autres pour régler ses propres problèmes, donc c'est pas tout beau, tout gentil, hein, même dans le monde des communistes. Et donc parfois on a affaire aussi à des conflits qu'il faut apprendre à gérer. Ça fait partie aussi de l'expérience du montage. Je m'appelle Lorena, j'ai 20 ans, je suis aux Jeunesses communistes et aussi pour le mouvement des Sans Terre du Brésil. Et donc là c'est la première fois que je participe au montage sur la fête de l'humanité. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, quand on va sur la fête, on ne se rend pas compte de toute l'implication qu'il y a derrière, que tout est monté par les mains des bénévoles, que c'est vraiment des militants engagés qui montent eux-mêmes leur stand de A à Z et qui font toute la décoration. Thank you.
des œufs durs en fait. Yo no canto por cantar, ni por tener buen amor. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. La montée, la banderole avec ça. Es como el agua bendita, santigua gloria si fe. Je suis très fière des camarades de l'époque qui ont été capables de construire ça. D'accord, ils étaient nombreux, mais ils n'avaient pas toute la technique qu'on a maintenant. Ils prenaient tous sur leur congé, ils ont construit ça. C'est une compétence tout à fait exceptionnelle qu'il n'y a personne qui saurait faire inventer, reconstruire ça maintenant si ça disparaissait. Donc j'ai beaucoup d'orgueil d'être du parti qui a inventé cette fête. J'ai toujours accordé beaucoup d'importance parce que c'est en même temps un grand événement politique qui est très fédérateur et en même temps un événement de fraternel et de convivialité. Pour moi, la fête de l'UMA, c'est aussi ce qui unit les... D'abord, ça appartient aux communistes, c'est à nous, c'est notre fête. Et puis, c'est ce qui nous permet, enfin, entre autres, hein, pas que ça, mais c'est un grand événement qui nous permet de nous rassembler, de nous construire du collectif, de nous construire collectivement. Et donc ça, c'est précieux. Et on s'enrichit beaucoup, en fait, dans les fêtes de l'UMA. Moi, c'est Tom. Je suis étudiant en troisième année de licence d'histoire à Grenoble, du coup à l'UGA. Je suis aussi militant du coup à MJCF. C'est pas ma première fête de l'UMA, mais c'est mon premier montage. Donc du coup, voilà, je suis vraiment content de faire partie, enfin d'avoir un petit peu cet autre aspect de la fête de l'UMA, parce que je l'ai fait en tant que festivalier. J'ai aussi fait en tant que militant en venant donner des coups de main par-ci par-là. Mais là, du coup, c'est vraiment tout un truc différent d'être sur le montage depuis, depuis quelques jours quand même. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la fête de l'UMA, quand on est militant et qu'on vient pour faire le montage, on n'est pas juste militant dans le sens où on vient participer à un événement qui est festif, qui est populaire, qui est culturel. En fait, on vient ici aussi pour marquer un moment qui est politique et pour marquer en fait ce moment politique par notre action en elle-même. Et venir aider, en fait, on se rend compte à ce moment-là que faire de la politique, c'est pas juste distribuer un tract, coller une affiche, parler à des gens. Ça peut aussi être faire de l'élec, faire de la plomberie, des trucs comme ça. Servir au bar, faire le resto, faire la plonge, ça aussi c'est politique parce que c'est à la fête de l'UMA. Parce qu'en fait, on est un petit rouage dans tout ce processus qui est beaucoup plus grand que nous. C'est ça qui est magique parce que du coup on découvre vraiment un autre rapport au travail où on est plus, plus poussé par une nécessité économique ou par une volonté parce que le travail c'est bien. Là c'est l'acte qui est derrière le travail qui devient intéressant. On découvre vraiment quelque chose de nouveau vis-à-vis du travail, quelque chose de beaucoup plus libre où en fait chacun prend sa place et c'est pas une place qui lui est donnée en fonction d'une espèce de hiérarchie sociale dans l'entreprise ou sur le lieu de travail. En fait c'est une position qui est prise simplement par... c'est une position qui est naturelle quoi. On vient demander aux gens ce qu'ils veulent faire et les gens, ils s'adaptent.
les camarades s'y mettent et le travail est toujours bien fait. Je m'appelle Ondine Douchin, je fais partie de la Fédération de Haute-Garonne pour le MJCF ainsi que le Parti communiste. Je suis cette année chef de bar du national de la JC. Très très dur niveau fatigue, que ce soit fatigue physique mais surtout fatigue morale, parce qu'en soi on n'a pas vraiment de moyen de s'isoler des autres personnes, même si on a notre propre tente, même des fois souvent on est obligé de la partager, etc. Mais on n'a pas vraiment de moyen de s'isoler, d'avoir vraiment du repos moral, etc. Quand on est convaincu de l'utilité de ce moment, ça, la fatigue disparaît d'elle-même en fait. Je peux mettre toutes mes capacités d'organisation au service de mon mouvement et au niveau national. Je trouve ça très émancipateur parce qu'on a vraiment la chose entre nos mains. Tout ça se concrétise pour nous. Je pense que la fête, elle a son avenir parce que c'est difficile, c'est très très cher, c'est très difficile de faire un équilibre économique. L'avenir de la fête, c'est les militants, c'est les bénévoles. C'est qu'il y ait plus de militants qui s'impliquent et qu'il y ait plus de fédés, plus de sections qui viennent la construire.